Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez vu dans le titre, un haul nose. Donc on va démarrer tout de suite, il y a un peu de tout. Il y a du make-up, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors, je démarre tout de suite par le plus gros. Il n'est plus dans son emballage. Mais, alors, c'est un truc qui m'a coûté 19,99€. Et c'est un tapis d'éveil. Donc je vous mettrai une photo. Juste après, je vous mettrai une photo du tapis d'éveil démonté, etc. Ensuite, alors, j'ai trouvé des masques. Alors, c'est des masques coréens. Alors, masque en gel pour les lèvres à 79 centimes, comme ceci. Donc, c'est le Red Cherry Gel Lip Mask. Méga hydratant, made in Korea. Alors, je sais pas si c'est cruelty free ou vegan, ça c'est pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Ensuite, j'ai trouvé des patchs pour les yeux comme ceci. Donc à 99 centimes, à 89 centimes pardon. À l'eucalyptus à 89 centimes. Ensuite, j'ai trouvé un masque à la barbe d'escargot à 99 centimes aussi. Donc tout ça, c'est... alors ça, c'est la marque... je sais même pas, c'est écrit en coréen. Alors écoutez, les marques... tout est coréen, donc les marques, écoutez, je les ai pas. Non, j'ai pas les marques dessus. Ensuite... j'ai trouvé ceci. Alors, ce sont des housses de rangement parfumées à la lavande. Alors là, c'est 74 × 130. Donc, j'avais pris 3. Alors, c'est des housses, vous savez, à aspirer, là, comme ça. Et elles étaient à 2,20€. Donc, vraiment pas cher du tout. Donc, ça va me permettre de trier mon dressing. D'ailleurs, si je vous ferai peut-être une vidéo... rangement, dressing, triage de vêtements, etc. Je vous ferai sans doute une vidéo. Ensuite, j'ai trouvé des petites chaussettes comme ça, de la marque Calcedonia. Donc, c'est des mini chaussettes comme ça. Alors, il y a 3 paires. Alors, la taille, c'est 35-40. Ah, j'ai un tout petit pied, moi. Et elles étaient à 1,99€. Donc, ensuite... j'ai trouvé pour mon petit loulou, j'ai trouvé ceci. Donc en taille 3 mois. Donc c'est une salopette avec un petit maillot. Alors il n'y a pas du tout la marque dessus par contre. Je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Et par contre ça c'était à 3,99€ l'ensemble. Donc vraiment pas cher du tout. Hein. Je le trouvais hyper joli avec les poissons. Enfin, c'est fluo par contre. Hein, ouais. Mais j'aime bien. Je trouve ça joli. Et ensuite, de la marque Kiko. Pareil, en taille 3 mois. Donc la marque Kiko. En taille 3 mois. Alors ça, ça vaut 13,99€. Et ils les ont fait. Ils les faisaient à moins 80%. Donc je sais plus, j'ai payé 2-3€, je crois. Quelque chose comme ça. Un petit polo comme ça, tout bleu, tout mignon. Donc ça va lui aller hyper bien. Donc voilà. Donc c'est des petites pressions ici. C'est pas des boutons, c'est des petites pressions en fait. C'est des boutons pression quoi. Ensuite, alors j'ai trouvé un peu de soin, un peu de maquillage, un peu de tout en fait. Alors j'ai trouvé pour moi une mousse de douche. De la marque Mon Savon. Il se présente comme ceci. Alors, c'est pivoine et frisia. Je ne sais pas ce que c'est. Emballage recyclable. Donc, il y a 200 ml dessus. Et c'était à 1,25€ ça. Donc, les mousses de douche, moi, j'aime bien. Et puis, si au pire, l'odeur ne me plaît pas, ben, je m'en sers comme mousse pour me raser les jambes, en fait. Mais si, ça sent hyper bon.
Ensuite, alors j'ai trouvé ceci de la marque Chanvria. C'est un baume pour le corps, un baume hydratant pour le corps de 200 ml. Alors bio, à base d'huile de chanvre, 100% vierge, issu du territoire de l'Aube en Champagne. Donc c'est français. C'est Made in France. Donc on va tester ça. Ça sentait bon. Ça sent hyper bon. Donc ça a 200 ml. Ouais. 200 ml pour 2,49 €. Donc on testera ça. Ensuite, pour mon chéri, j'ai trouvé ceci. Donc c'est des mousses de douche, pareil, mais pour homme cette fois-ci, de la marque Axe. Donc vous avez celui-ci, bergamote et boîte santal. Donc ils peuvent s'en servir sous la douche ou pour se raser. Je pense que mon chéri s'en servira sous la douche plutôt. Donc ça c'est bergamote et boîte santal, ça sent hyper bon. Franchement, ça sent hyper bon. Et ensuite, le deuxième, c'est parfum bois de oud et vanille fraîche. Comme ceci. Et ça, ça coûtait 1,25 € chacun. Ensuite, pour moi, j'ai trouvé une brume visage anti-pollution de la marque Le Petit Olivier. Ça se présente comme ceci. Fleur d'amandier, protège et apaise tout type de peau. Fabriquée en France. Et vous avez 500 ml dedans. C'est une brume pour le visage, quoi. Ceci. Et ça, ça coûtait 2,99 €. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé ce sac. Je trouvais hyper beau. Donc, comme ceci. Franchement, il est hyper beau pour aller à la plage cet été. Ça va être juste canon. Alors ça c'est la marque Ardennes je crois de mémoire. Ah non. Le comptoir de la plage. Ouais. Donc le comptoir de la plage. Et ça coûtait 4,99 €. Bon l'étiquette est à l'envers. Quel prix est à l'envers? 4,99 €. Franchement, il est hyper grand et tout. Bah, franchement, on peut en mettre dedans. Donc vous avez deux anses comme ça. De chaque côté et vous avez une fermeture éclair pour le fermer et vous avez même une petite pochette à l'intérieur pour mettre vos clés ou votre porte-monnaie ou votre portable avec une fermeture éclair. Ensuite, j'ai trouvé des petits bavoirs pour le loup. Donc, deux bavoirs à 1,50 € avec des pharma scratch et qui sont en plastique derrière en fait. Moi je préfère comme ça transperce pas sur les vêtements. Et si vous prenez que du tissu, ça transperce sur les vêtements, c'est dur. Ensuite, j'ai pris justement pour l'été aussi une comment on appelle ça? Un sac comme ceci, un sac comment on appelle ça? Froid là. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Qui maintient au froid, quoi. Vous mettez vos boissons fraîches dedans et ça reste frais, en fait, avec des blocs de glace, là. Un sac congélation. C'est comme une glacière, en fait, mais en sac, quoi. Donc ça, c'était à 6,49 €. Donc, je trouve quand même assez grand, hein. Si vous mettez vos bouteilles debout... ça va quoi. Vous avez une petite pochette aussi sur le devant. Une lanière pour le tenir. Il y a une pochette aussi. Là, justement, pas besoin de l'ouvrir. Vous pouvez récupérer directement dedans. Et puis, là, il y a des petites pochettes aussi. Non, il n'y en a qu'une. Il y a une petite pochette ici aussi. Enfin, ça va être très pratique pour emmener à la plage cet été, quoi.
Et ensuite, j'ai trouvé du make-up. Alors, j'ai trouvé du Mesoda, du MUA, beaucoup de MUA surtout. Alors, chez Mesoda Milano, j'adore cette marque, je trouve qu'ils font des super produits. À 1,49€, j'ai pris un pinceau teint. Un pinceau fond de teint. Donc, il est assez dense. Et les poils sont hyper doux. Donc, à tester ça, je vous en reparlerai de toute façon. Je crois même qu'il y a la protection. Ou alors, c'est juste un papier. Non, ouais, il y avait la protection qui était dedans. Donc, je vais le laver de toute façon. Et puis, moi, ça, la protection, je m'en sers pas. Après, ça va dans mon pot à pinceau. Et ça, c'était à 1,49€. Je crois que je vous l'ai dit. Ensuite, de chez Mesoda, toujours, j'ai trouvé un bronzer à 1,49€. Comme ceci. Alors, on a 9 grammes de produit dedans. Là, c'est marqué poudre compacte bronzante. Et c'est la teinte Hawaii 205. Comme ceci. On va swatcher. J'ai pas pris de lingette, encore une fois. On va voir ce que ça donne si c'est pas trop foncé pour moi. Sinon, je le donnerai à ma petite sœur qui est un peu plus bronzée que moi. Donc, il se présente comme ceci, hein, classique. Un packaging assez classique. Non, je pense que ça va le faire, la teinte. Oh ouais. Un petit peu orangé, peut-être. Un petit peu orangé pour moi, peut-être. Un petit peu foncé. C'est pas grave, je donnerai à ma sœur autrement. Ça lui servira, elle est un peu plus bronzée que moi. Ouais, c'est un petit peu orangé, mais... pas non plus c'est pas non plus de ouf, quoi. On testera au pire, on verra bien, et si vraiment c'est trop foncé, je le donnerai à ma petite soeur. Ensuite, on va passer à la marque MUA Studio, MUA Makeup Academy. Donc j'ai trouvé une petite palette à 2,49€ qui se présente comme ceci. Alors j'adore les teintes qu'il y a à l'intérieur, les roses, les violets. Elle est encore sous blister. Il y a encore le petit... Alors faites pas attention à mes ongles, par contre je vous montre les produits tout à l'heure. Ils sont... faut que je les fasse refaire. Parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça en fait. Je sais que ça fait pas très beau, hein. J'en suis consciente totalement, mais j'ai pas vraiment le temps avec le petit et tout, les rendez-vous, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas le temps en fait de m'occuper de ça. Voilà. On va enlever le scotch. Hein. Donc, voici les teintes. Franchement, elle est hyper belle. Celui-là, là, il a l'air magnifique. Celui-là, pareil. Et le bleu, là, bleu-violet. Franchement, j'ai envie de les swatcher. Je vais swatcher celui-là, c'est sûr. Celui-là. Et celui-là, peut-être. Ah ouais. Puis la pigmentation, franchement, ça a l'air bien. À part le bleu. Bleu-violet, là, il est pas... Donc, celui-là, c'est le plus clair, là. Celui-ci. J'ai soit acheté celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Donc ça donne ça. Donc, vous voyez, le bleu, il est pas... Il... Je suis un peu déçue parce que par rapport à dans la palette, il rend pas du tout pareil que dans la palette, en fait. Je suis un peu déçue. Par contre, le rouge, là, il est magnifique. Et celui-là, là, même en highlighter, hein, ça peut le faire. Hein. Franchement, il est hyper beau. Ensuite, j'ai bien envie de tester le rouge, là. Oh ouais, là, celui-ci aussi il est beau. C'est un peu corail, cuivré. C'est celui-ci. Celui-ci. Ouais, franchement, pour le prix, pour 2,49€, ben, je suis pas déçue, on va dire. Si, ben, à part le violet bleu là qui me tentait vraiment beaucoup, et au final, j'ai encore rien pris pour m'essuyer les mains. Oh, écoute, je vais te casser, je vais le faire.
Alors ensuite, j'ai trouvé un lip velvet lacquer de chez MUA, 99 centimes. Je vais essayer d'ouvrir comme ça, voilà. La teinte, je ne sais même pas ce qui est écrit dessus. Symphonique. C'est la teinte symphonique. C'est écrit sur le petit. Je ne sais pas si vous allez voir. Si là, voilà. Ah ouais. Ça sent bon en plus. Ah ouais, un seul passage. Il est magnifique. Alors je sais pas si c'est un effet mat. Je sais pas si c'est un mat, s'il sèche. On va attendre, on va voir. Mais il est magnifique. Ensuite, de la même marque, j'ai trouvé à 99 centimes. Alors ça, c'est pareil. Ça peut être utilisé sur les lèvres, sur les yeux. Et en fait, c'est des paillettes, quoi. C'est un topper. Lip Topper, alors Cruelty Free. Ok, mais tous les produits MUA sont Cruelty Free, je crois. De souvenirs, je sais plus. C'est pas écrit partout. Ouais, Cruelty Free. Ah, peut-être pas les crayons. Bon, bref. Donc on va tester ça aussi. Donc ça, c'était 99 centimes. On va voir les petites paillettes. Ça a plein de reflets hyper beaux. Franchement. Il a des reflets magnifiques celui-là. Regardez. Ça sent bon aussi. Ah ouais, c'est joli aussi. Bon, c'est pas très opaque, normal, ça va pas peur. On peut mettre ça au-dessus d'un rouge à lèvres. Et c'est ça. Waouh. C'est juste là. Au-dessus d'un rouge à lèvres, au-dessus d'un fard à paupières. Enfin bref. Ça, c'est. J'ai jamais testé, donc je vais tester et je vous en reparlerai. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé un crayon pour les yeux. C'est à quelle teinte ça? Berry Wine. Donc un espèce de violet comme ça. À 89 centimes. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. C'est encore sous blister et ça. Non, je vais pas réussir à l'ouvrir pour vous le swatcher. Et je ne vais surtout pas utiliser mes dents. Non, bon, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Bah, vous voyez la teinte à peu près. Hein. C'est un violet, quoi. Et pour terminer, toujours de chez MUA Makeup Academy, j'ai trouvé ceci. C'est un Eye Gloss Kit. Donc, c'est pour les yeux. Donc, c'est des pigments et un gloss pour les yeux. Donc ça, c'était à 1,49€. Donc, Cruelty Free toujours. Alors, voyons comment ça se présente. Donc ça, c'est le gloss. Et ça, ce sont les pigments. Donc, ils sont... Franchement, c'est magnifique cette couleur. Alors, voyons voir comment ça se présente. Ok. Ah, d'accord. Donc en fait, vous mettez... Ah, je sais pas comment je vais faire. J'ai plus de place sur mes bras. Je vais essayer l'autre main. Donc en fait ça se présente avec une petite spatule comme ça, mais ça doit être des pigments
libre à l'intérieur, donc ça se colle à la spatule. Vous mettez ça. Ensuite, ici on a le gloss. Ça se présente comme ceci. Donc ça doit se twister, j'imagine. Ouais. Ça se twist comme ça. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Ah, ça y est. Ah, d'accord. C'est rose à l'intérieur, c'est un gloss, quoi. Et vous mettez dessus, ben non. Oula. Ah non, c'est juste un gloss en fait. Ça, si on met dessus, on voit plus du tout les pigments dessous. Hein. Bon. C'est un gloss. Hein. Classique, parce que si on met. En fait, j'ai mis des pigments ici en dessous. Peut-être pas mis assez aussi. Et le gloss par-dessus, on voit plus rien du tout. Ou alors c'est l'inverse, faut mettre le gloss et seulement après les pigments pour que ça colle dessus. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut mettre le gloss avant et le. Faut mettre le gloss avant et les pigments après, parce que sinon on les voit plus du tout. Je vais essayer pour voir. Donc c'est pareil, on voit rien du tout. Non, ça change rien du tout, on voit rien du tout. Donc je sais pas, je vais tester et puis je vous redirai comment ça marche. Et voilà, j'en ai terminé avec mon haul nose. J'espère qu'il vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.